Yo les potes, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Supermarket Together. C'est un jeu où on doit tout simplement gérer un supermarché avec ses amis ou tout seul. En l'occurrence sur cette série, nous serons tout seuls. Tout simplement parce que je préfère avoir pour le moment mes idées, comment agencer le magasin, etc. Peut-être que, voilà, j'exclus pas l'idée qu'au fur et à mesure du temps, il y ait peut-être des amis à moi qui me rejoignent. Peut-être, je sais pas encore, ça, je verrai en fonction de ce que j'ai envie. Donc aujourd'hui vous allez voir qu'on a quand même pas mal avancé, on a un bon business pour le moment on va dire, on n'est pas trop mal niveau argent, niveau stock on est super bien, vous verrez ça dans la vidéo. Donc sans plus tarder moi je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Yo les potes, c'est bon, on est sur Supermarket Simulator, on va tout simplement commencer par le commencement, c'est-à-dire acheter une caisse classique. Ensuite, étagère à produits. Ok. Et un petit frigo. Histoire de commencer ça tranquillement. On se met aussi une petite étagère. On se met une petite étagère. Juste ici, voilà. Donc je pense que là, au niveau de tout ce qui est stock, tout ça, on va faire. On se fait un petit stock. Là, faut que j'achète ma première franchise. Commande de produits de base. On va acheter deux produits de chaque. Comme ça, on va faire un peu de stock. On va être comment dire, on va être très radin au niveau des franchises. On va pas en acheter tous les 3-4 matins parce qu'il faut quand même pouvoir après respirer financièrement, dire ça comme ça. Donc au moins on aura des petites franchises par-ci par-là, voilà comme ça. Et on n'achètera que si il y a vraiment vraiment utilité quoi. Genre, je pense qu'on va se mettre des paniers, genre là tant que je suis pas à 3000 euros, j'achèterai pas de nouvelles franchises, tu vois. Histoire que quand même financièrement je sois assez correct. Pour que je puisse assumer tous les stocks par la suite, tu vois. Donc là, hop, l'eau, on va la mettre ça en bas. Pas mal de shorts, mon petit monsieur. Voilà, essayer de mettre le stock un peu partout. J'apprécie énormément ce genre de petit jeu où on se pose et on réfléchit à un magasin. À comment le gérer. Tout ce qui est stock et tout ça.
Donc voilà, au moins on va pouvoir se poser un peu là, le temps du taf. Je vais au foot dans 2 heures quasiment. Donc j'aurai le temps de tourner quelques épisodes. Pas mal la ref. Pas de peine. Ah, des pâtes faux, un rayon. Enfin, c'est un carton pour un rayon pour les pâtes. Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que le deuxième carton, ça va être en stock. Et le riz. Il se met au dernier emplacement. Le jeu est pas spécialement joli. Oula, c'est pas grave. Alors ça c'est bon ça. Ces noms aussi, ça va être super sympa ça. Mettre à 50. Toujours pas, c'est trop. C'est trop. Oh les gars, mettre 75. Ok. Ça me paraît normal. Ok, donc en stock, on a du riz, du sel et des pâtes. Donc on va pouvoir ouvrir le magasin dès maintenant. Non, on n'a pas mis de prix, malheureux. On va se mettre quelque chose comme 40 centimes au-dessus. Façon, elle met à 2 euros. Bon, ça marche pas. Ça me paraît pas mal. On va se mettre à 1,75 €. On va se mettre à 85 centimes. L'eau, on va la mettre à 1,20 €. Ça va mettre 1,89 €. Et ça va mettre à 2,80 €. On va pouvoir ouvrir le magasin. Est-ce qu'il y a des clients? Toi, tu me parais bien décidé. Alors, on va te montrer, c'est là. Ah, tu veux. Ah. Ah, tu vas aller à celle-là en fait. Oh, elle, mon pote. Elle est décidée à venir.
Pourquoi elle prend ces articles en regardant moi? Je sais que je suis beau, mais bon. C'est pas. Okay. 2 € et 0,1 centime. C'est la plus grosse. Plus gros achat pour le moment. L'euro est 10 centimes, merci bien, bonne journée, au revoir. Son perfect timing. Oh oui, 13,20 €. Bonne journée, au revoir. Bonjour, madame. 11 €. Et 63 centimes. Oh putain, j'ai du mal sur celui-là. Putain, il y a du monde. Deux euros 56. Genre plus je fais du genre 37 €. Mais là, vous pouvez pas faire tous par carte s'il vous plaît par contre. Les pattes ça se vend bien mon pote. 8 80. Merci bien, bonne journée, au revoir. J'ai plus d'énergie, les gars. Sur du travail, là, c'est pas la forme olympique. Allez, hop, je donne 3 centimes. Pas chier. Pour nos dentelles. Au revoir. Douze euros 68. Merci, bonne journée, au revoir. Putain, mais wesh. 15 €, plus grosse commande. Gros achat plutôt. €13,75. Merci bien, au revoir. €14,10. Merci bien, au revoir. Je vais mettre des pâtes en stock. Finalement, heureusement qu'on ait commandé quand même deux cartons parce que mon gars, ça part à une vitesse. On va remettre du riz. Peut-être augmenter le prix à quelque chose comme 1,75 €. Le sucre daron. J'arrive, hein, bouge pas. €1,80. €13,34. Merci bien, bonne journée, au revoir. Que 10 €. Au revoir. 14,07 €. Alors non, 1407.
Merci bien, bonne journée, au revoir. Bonjour. Très jolie casquette. Merci bien, au revoir. Bien le bonjour, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? Alors. Vous serez contente, mais pas moi. Voilà, F98. Donc au début, ça va être. Je vais quasiment que gérer la caisse. Parce que bah, c'est normal, j'ai pas encore de salarié. Allez, vas-y, je suis génial. Il n'y a pas encore de salariés qui peuvent s'en occuper. Donc voilà. €13,85. Merci, bien, bonne journée, au revoir. Bonjour. €13,30. Bonne journée, au revoir. Bonjour. €11,82. Déjà 15h, on va voir si... J'ai plus de céréales. D'accord. Bah super, on fera le stock fin de la journée. Hein. Écoute. Céréales, il fallait peut-être aussi augmenter le prix. Une 40. C'est pas comme ça que je fais du business moi. 12,84 €. Merci bien, au revoir. Bien bonjour mademoiselle. 10,19 €. Alors, je suis gentil mais là peut-être pas quand même. Journée, au revoir. Bonjour monsieur. 13,30 €. Donc on est d'accord que la plus gros achat c'est encore 15 euros et quelques. Hop, 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 hop. 11 € et 56 centimes. Merci bien, au revoir. Au revoir. 8,44 € par carte. Merci bien. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Je trouve ça, mine de rien, je trouve ça un peu relaxant quand t'as la caisse. Juste, tu dois gérer, bien compter ce que tu rends pour pas rendre plus cher. Parce que je fais quand même les trois quarts du temps. €5,95. On est quand même à 1700 et quelques. On est quand même pas trop mal. Juste 18 centimes. Hop là! €7,56. Allez, les journées sont longues, hein. Des pâtes, vous. €2,94. Théo, quoi? Nouveau partenariat Call of Black Ops 6.
Hein? Nouveau partenariat avec Black Ops 6. Il y a Jul qui va arriver. Super sympa ça. Je suis en vidéo. Ah. Il n'y a plus de pattes. T'as combien d'abonnés? 200... 238. Hein? 238 abonnés. C'est ça. C'est ça, non. Il n'y a personne avec toi? Non, pourquoi? Zéro 92 centimes. Bonne journée, au revoir. Bonjour. €11,52. Merci bien, bonne journée, au revoir. Bonjour. Allez, on n'est pas à quelques centimes près. Ethan! Viens voir! Ça, c'est stylé de fou, ça. Quoi? Quoi? Wesh? Tellement t'étais abasourdi, t'as dit wake au lieu de wesh. J'ai dit wesh. Ah merde, j'ai oublié de. J'espère la citrouille, les citrouilles là qui arrivent, ils se donnent masse argent. €3,08. Merci bien, bonne journée, au revoir. €5,72. Merci bien, bonne journée. €9,13. Au revoir. Oui. Et 4 centimes. Merci bien, au revoir. En fait, les gars, est-ce que vous kiffez mon nouvel overlay? Que j'ai fait puis voilà, c'est tout. Pas plus de discussion. 6,18 centimes. Merci, bonne journée, au revoir. Allez, c'est bientôt la fin de journée. 7,05. Ça serait si qu'on puisse acheter des décorations d'Halloween. 7. Virgule 47. Je vais en profiter pour faire la mini en 2-2. C'était rapide, hein. €13,50. Merci bien, bonne journée, au revoir. Bonjour. On se dépêche de faire les derniers clients et c'est la fin de journée. Et la fin de la vidéo, du coup. Merci bien, au revoir. €1,36. Merci bien, au revoir. Oh putain. €2,28. Au revoir, bonne journée. Bonne soirée du coup. Mais bad. 1,89. Au revoir. Bon.
C'est cet enculé qui... Loup! Oh, lui, mon pote, dès que je le recroise, coup de balai dans la gueule. Il est là-bas. Bah 105 balles. Oh mais c'est rentable en fait. Il n'y a pas un deuxième chasse au fantôme. Bah écoutez, bah ces fumis nous ont bien niqué notre stock parce qu'on a plein de sucre, mais on peut pas les mettre. C'est pas grave, ça aurait apporté un peu d'argent. Bon, fin de journée, jour 1, combien on a perdu? De moins 222, hein, moins 2022 euros et 79 centimes, ce qui est normal jusqu'à présent. Bon bah voilà les gars, on se retrouvera du coup pour la prochaine vidéo dans un prochain épisode. Du coup l'épisode 2 qui sortira normalement demain si tout se passe bien. Donc moi je vous laisse, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui arrivent sur Escape The Backroom pour les best-of qui vont arriver très prochainement parce qu'on a recommencé un truc avec les copains, sur Supermarket Together, du coup ce jeu là, ou peut-être pareil mes copains vont me rejoindre, et même d'autres jeux Minecraft, etc. Bref, moi je vous laisse, ciao.